تابعوا ما أريدوا برنامج خلف الصورة. أريدوا ديما معكم. Pourquoi un voyage au désert reste toujours plus marquant qu'un voyage vers n'importe quelle autre contrée du monde? Je me dis que peut-être, la plupart du temps lorsque nous voyageons, nous ne faisons que changer d'endroit. Nous allons de quelque part vers autre part, vers un ailleurs construit, dressé pour nous accueillir. Tandis que, aller au désert, c'est aller de quelque part vers nulle part. Ce n'est pas un simple changement de lieu, c'est un changement de dimension. Comme un aller simple vers soi, vers la dimension du silence. Avec mes amis sur la photo, nous étions ici à Tikou Bawin, dans la région de Djanet. Dans ce décor d'un autre temps et sous un soleil obstiné, nous ne faisions que marcher et marcher encore. Nous goûtions, sans forcément nous en rendre compte, à l'expérience du voyage absolu, sans cible précise à atteindre, ni ligne d'arrivée à franchir. Notre seul horizon était l'infini des terres le jour et l'infini du ciel la nuit. La nuit, quand les étoiles sont si limpides et si envoûtantes qu'on croirait presque, au-delà de leur scintillement, deviner les racines du firmament. Dans ce sable brûlant et ces rochers immémoriaux, chaque pas que l'on fait laisse tomber à nos pieds les nœuds oubliés en soi, nos jugements hâtifs de citadins occupés et notre arrogance de tous les jours, ordinaire, à peine masquée. Le mystère irrésolu du sud profond consiste peut-être en ceci que tout intermédiaire est exclu. On arrive ici en avion, avec un billet qu'on achète, qu'on réserve sur internet ou par téléphone, et puis soudain on se retrouve ici et tous ces mots ne veulent plus rien dire. Il n'y a plus gare que ces infinies particules que nous sommes, et tout autour, palpable et ardent, à portée de la première main tendue, le reste de l'univers. On ne va pas au Sahara en touriste, on y va en pèlerin. Lamela Narbi Amin, photographe amateur. تابعتم ما أريدوا برنامج خلف الصورة. أريدوا ديما معكم.